Voilà, oh, je me casse. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et bonjour tout le monde, me voici donc sur Space Engineer, dans l'Aurora, enfin là c'est dans le Jumper. Alors, je viens de m'apercevoir que dans les Jumpers, les portes ne fonctionnent pas, elles ne se règlent pas pour l'instant, vous voyez, elle ne veut pas re-rentrer. Oh ben, vous voyez, ça bloque un peu. Bon, en tout cas, je pense que c'est un bug qui sera réglé, parce que là c'est vraiment qu'elle ne passe pas. Alors, j'ai modifié 2-3 trucs dans l'Aurora. Alors, j'espère juste que je vais y arriver à y passer comme tout à l'heure. Voilà. J'ai fait une sorte de soute. J'ai envie de dire de soute à bagages, mais c'est pas vraiment ça. Oh, j'ai une baisse de framerate. Pourtant, j'ai enlevé des blocs. Hein. On va enlever ça. Ctrl-X. Oui. Voilà. Bon, c'est pas ça qui me faisait les bugs, mais bon, tant pis. Alors, je me remets avec rien dans la main. Ouais, désolé, je baille. Et j'ai fait une soute ici, donc une entrée. Hop là. K. On cherche le moteur. Parfait. On inverse. Vous voyez. Voilà. Elle se referme et ça fait joli. Bref, un autre truc, j'ai nettoyé la totalité de l'intérieur du vaisseau. Donc vous pouvez voir voilà, tous les blocs qui sont inutiles, que j'en ai vraiment absolument pas besoin, qui ne tenaient rien et tout ça. J'ai tout retiré. Ah oui, mon vaisseau a bugué et s'est déplacé aussi. Donc du coup c'est pour ça que il y a des véhicules sont plus vraiment placés où je les avais posés. Je me suis amusé à faire un petit accès sur le côté aussi, là. Une petite ouverture de 2 sur 2. J'ai voulu en faire une là, mais elle a planté, donc du coup, ben, faut que je la recommence. Et on m'a même défoncé un petit peu le mur. Faudra que je répare ça. Là, c'est une sortie vers l'extérieur. Là, j'ai aussi tout creusé l'arrière du vaisseau. D'ailleurs, c'est moi ou c'est pas symétrique ? Faut que je vérifie, mais je crois que c'est pas symétrique. Je crois que j'ai posé pile poil en symétrie. Eh, ils sont pas symétriques, ils sont mal positionnés. C'est pas joli ça. Hop là, donc ils sont pas symétriques, faudrait que je le repose. Et là on est dans l'arrière du vaisseau. Donc là vous voyez la totalité du vaisseau est représentée, enfin c'est vraiment tout. Là oui, j'ai la petite truc que j'avais crafté, enfin que j'avais crafté là, une sorte de petite zone de travail que j'avais fabriqué. Je vais pouvoir l'aménager si je le souhaite. Mais donc voilà. C'est plutôt sympa. Alors je vais vous montrer en extérieur ce que ça donne, les 2-3 trucs que j'ai fait. Oh là là, j'ai aussi installé une sorte de petit hublot. Alors les batteries en fer me servent de commande pour le moment. C'est ça qui me permet d'activer les trucs. Oh. Je vais juste vérifier. Ah oui, oh putain que c'est moche. Je m'en suis même pas aperçu avant quoi. Oh, c'est très moche ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ouais, j'ai retravaillé un peu l'extérieur parce que ça me posait problème. Ouais, ça donne un petit côté très sympathique. J'ai surtout travaillé l'autre côté en fait. Enfin, ce que j'ai fait se voit beaucoup plus de l'autre côté. Donc là, il y avait que ça. Vous voyez, j'ai retravaillé un peu tout. Histoire de dire... Normalement rien n'est détruit. C'est plus joli comme ça.
Et voilà, de ce côté. Je pense que la baie vitrée, enfin cette partie vitrée, je la ferai aussi de l'autre côté, hein, pas de soucis. Les vaisseaux, pareil, les vaisseaux, je pense que je les rangerai plus dans la partie centrale ici sur deux étages, avec style des, plein de petites baies de pour le garer et tout, que ce que j'ai fait. Ouais, donc, oui, ça fait sympa. Pareil, le fait que on voyait aussi par là. Donc voilà. Vous pouvez voir, hein, j'ai un petit peu travaillé. Je vais aussi... J'ai creusé les endroits, donc je vais aussi travailler ces endroits-là. Peut-être mettre aussi de la vitre. Avec des conduits et tout ça pour faire un bruit. Oh, je baille. C'est moche. Et là, je vérifie, parce que comme j'ai creusé pas mal de choses, que j'ai pas... que j'ai pas détruit des choses. Là, je suis pas monté. Faudrait que je m'en occupe. Mais voilà, là il y a de quoi ranger pas mal de vaisseaux. Je vais essayer de faire des parkings assez jolis. Je suis pas trop décidé encore. J'ai pas encore trop décidé ce que j'allais faire. Exactement. Ouais, désolé, je baille encore. Ouais, j'arrête pas. C'est mon tour. Ma chérie dans la vidéo de ce matin et moi dans la vidéo de maintenant. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à dire de plus? Écoutez, pas grand chose. Donc je vais faire une petite pause et je vous reprendrai quand j'aurai avancé quelques trucs. Allez, à tout à l'heure. Re tout le monde. C'est vrai que ça fait plusieurs heures. Je vais pas vous montrer directement. Enfin si, on va y aller, mais pas vous montrer directement. J'ai fini ce côté-là. Parce que j'ai envie de commencer par ce côté-là. On va. J'ai mis la gravité, donc autant en profiter. Hop là, vous voyez. La porte est fermée, c'est pas trop classe. C'est trop la classe. Est-ce que je peux... Oui. Alors, porte éclaireur. Porte éclaireur. On inverse pour l'ouvrir. Elle est réglée pour aller très doucement. C'est fait exprès. Et voilà. Elle bloque pas. Je vais la fermer, hein, par la suite. Elle sera complètement bloquée. Voilà. D'ailleurs, on va en profiter. Voilà. Donc là, elle est complètement fermée. Désolé. J'espère que les lags sont pas énormes pour vous. Alors que... On va juste voir si ça marche bien. Porte, éclaireur. Et on inverse. Ok. Et donc du coup, ça sera... Je vais changer ce que j'avais annoncé dans une des vidéos au tout début. Ici, ça me servira à autre chose. En fait, j'aurai juste un petit vaisseau éclaireur qui sera positionné ici. Et le petit vaisseau éclaireur, en fait, aura un système de transfert de marchandises avec ça. Et c'est la zone de l'éclaireur. Donc par exemple, s'il y a besoin de mettre l'équipage du vaisseau éclaireur en quarantaine, il y a des travaux à faire sur les éléments. J'ai imaginé donc ce petit espace avec une raffinerie qui est collée directement à la sortie. Par contre, je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, je verrai si ça fonctionne, mais qui est collé donc à un assembleur au besoin. Ouais, je pense que j'ai fait une erreur. Faudrait que je mette le cube de stockage au début et qu'après je renvoie. Enfin bref. Une batterie pour faire joli. Plein de petits cubes de... Plein de petits conteneurs pour faire joli aussi. Une autre batterie, voilà, encore pour faire joli, des tubes pour faire joli. Un truc médical, me paraît, pour faire joli, avec un petit support de travail. Donc voilà, c'est plus de la décoration que de l'utilitaire, donc en fait je m'en fous si ça fonctionne vraiment bien. Mais c'était le but. On va se diriger vers la partie donc qui m'a mis pas mal de temps. La vidéo sera encore courte, hein, mais parce que clairement... Ça serait trop long que je me filme quand je fais mes décos, surtout que j'invente tout. Ça serait trop long que je me filme quand je fais toutes les décos.
je passe la porte, je peux la refermer. Mais du coup, ça fait des vidéos petites à vous présenter que ce que j'ai fabriqué. J'ai rien modifié pour l'instant par là-bas, donc j'ai rien à vous montrer. Bon, j'ai mis un petit peu quelques blocs et j'ai fait un élément. Alors ici, ça va être, vous allez vite le comprendre, mais ça va être une sorte de réfectoire. Donc j'ai fait des chaises avec des tables. Hop là, est-ce que je... Oula. J'espère que le son n'aura pas planté. Mais en gros... En gros, ça donne plutôt bien en fait. Hein, si les gens sont en face... Bon, on est un peu bas, mais ça passe. Ça passe. Oui. Oh, chier. Alors, ici, c'est le côté que j'ai un petit peu plus aimé. Je vais laisser ouvrir au vert parce que sinon, ça va me gonfler. Ça, c'est un petit côté que j'ai mis au point il y a... En pas longtemps, et j'ai plutôt été content de ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fini. Hein, faut que je termine ici. Ça me permet de pas trop spoiler vu que j'ai pas fini. Et donc, c'est des couchages. Voilà. Donc ça fait des sortes de lits en fait, j'ai l'impression. Sorte de lit avec... Voilà. Avec des sièges. Si un jour ils mettent des armoires en décoratif, on pourra mettre des armoires. Mais voilà, il y en a 3 et 3, 6, 9, 10, 11. Il y a 11 couchages. Il y a 11 couchages x 6, ça fait 66 couchages. J'ai créé 66 couchages, voilà. Enfin, là, j'ai pas tout à fait fini, mais... Bon, sachant qu'il y a plus de 200 membres d'équipage, ça fait pas beaucoup, mais bon. Donc, voilà. Et là, après, bon, pour l'instant, j'ai pas créé, mais c'est juste... Enfin, j'ai pas créé, j'ai juste fait des couloirs. Mais en gros, ça va être une salle de... Ça va être des sols, je peux encore décider. Ouais. Pas qu'allumer, là ça va être des salles, j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre, mais voilà, c'est des petites salles que j'ai faites comme ça en rapide. On a de quoi monter un petit étage, voilà, avec des escaliers qui montent, un petit truc pour faire joli. Mais pour l'instant c'est pas décidé, c'est juste de la décoration, j'ai juste avancé de la décoration. Hop là, les escaliers. Hop là. Alors, c'est au deuxième. Alors, 1, 2. Je fais pareil de ce côté. Hop là. Hop là. Oh, je suis con. Hop là. Il me faut ça gelé, ça aussi. Hop là, pas au premier cran, au deuxième cran. Et après, j'ai 5 crans d'écart. Voilà. Et là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Pour l'éclairage. Je fais comment déjà? J'en mets un là, et un au fond. Donc il y en a un à l'entrée. Un là. Un en général au fond là, et un là-haut. Là.
Là. Voilà. Alors. Ça dans ce sens. Ça dans ce sens. Hop là. Et là, dans ce sens. Là comme ça. De là. Oh. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Et là, le dernier ici. Donc là, j'ai mon passage. J'ai fini cet étage. Désolé un seul lag, mais la construction commence à devenir tellement grande qu'elle me fait laguer. Hop là. Là. Ma chérie dit que je suis un peu taré, je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai fait. Faites-vous plaisir. Hop là. Oh. Hop là. Oh, on est en train de regarder, enfin, d'écouter une émission tout en jouant à la télé. Et je sais pas si vous avez entendu, j'espère pas, mais des bonbons aux saucissons. En même temps, s'ils l'ont entendu, de toute façon, tu leur dis j'espère pas, mais tu leur répètes. Oui, c'est pas faux. Je vous le répète, donc du coup, vous le savez. Faudra que je... Faudra que... Je vais remplir les éléments que j'ai pas remplis. Ça lag, putain, quand je construis, c'est horrible. J'espère qu'en tout cas, pour vous, c'est pas si horrible que ça. Voilà. Hop là, et maintenant... On va en face, on va voir si j'ai bien tout rentré, mais je crois que non. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de mettre... Les dessous. Et fait chier, ils sont d'une autre couleur. Bon, c'est pas grave. Voilà, 66 couchages sur 200 normalement membres d'équipage complet. Ça fait juste. En même temps, je suis censé arriver à normalement, je suis censé avoir 1000 jumpers hein, dans le 100 jumpers dans le. Je me demande d'ailleurs pourquoi avoir 100 jumpers pour un vaisseau avec juste 200 membres d'équipage. Bref. L'épisode est un peu court, mais pour moi ça a été très long, hein, c'est simple, j'ai commencé à quelle heure mon cœur? Il était quoi, 17h? J'ai commencé à 17h, là il est 22h, bon entre temps j'ai fait une petite pause d'une heure et demie, mais voilà, faut imaginer que c'est quand même minimum 3h30 pour faire tout ce que j'ai eu à faire, donc du coup je peux pas me permettre de pas faire d'épisode plus court, vu que j'ai pas forcément plus de choses à vous montrer, mais... Vous aurez sûrement dans la semaine un autre épisode mise à jour comme d'hab. Et puis on attendra justement la prochaine mise à jour qui met des trucs. S'il faut, il y aura des trucs encore plus intéressants. Ça me donnera plus de nouvelles idées. Et je pourrais faire encore plus de nouveaux trucs super sympas, méga cool. Bref, moi je vous souhaite un bon tout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Et n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Ça me fera très 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 plaisir. Et on va finir... sur une petite vue extérieure du vaisseau. Ouais, j'étais obligé de mettre un gyroscope. Je sais plus que pour la prochaine fois, prochain épisode. Et voilà, c'est la classe intersidérale. Bon, la classe intersidérale bizarre. Bref, allez, ciao tout le monde.